prudent dans cette population. Et puis rappeler à nos patients qu'il faut éviter de prendre l'alcool, qui va augmenter l'effet vasoplégique du sauna. Et peut-être discuter chez nos hypertendus qui font prévu de faire du sport puis une séance de soma. Hein, ces jours-là, éventuellement leur autoriser de diminuer un petit peu leur traitement, puisqu'on a vu que le sauna avait un effet pendant les 24 heures suivantes sur la tension artérielle. Voilà, je vous remercie. Alors là, c'est très différent et donc là le...